Georges de Lisieux est tout entendre, mais c'est Joseph Platt, sociologie, Donc, ce discours est un peu un discours focus. Réfléchissons un petit peu, y compris pour ceux qui ne sont pas là depuis un an, mais depuis quelques années. Je pense que le niveau de mobilisation dans cette université est largement supérieur à ce qu'il était compris au moment de la lutte contre le CPE. Deuxièmement, effectivement, le blocage peut être un obstacle, on peut en discuter, mais que les modalités telles qu'elles ont été adoptées ont laissé totalement libre l'accès aux amphithéâtres, de telle manière que ceux parmi les enseignants, les étudiants, qui souhaitaient organiser des assemblées générales pour prendre des décisions, pouvaient le faire. Il y a eu un problème, c'est les transports, mais ça, les étudiants ne sont pas responsables. Ça fait une semaine que l'université est totalement libre de prendre ses décisions de manière démocratique dans les UFR. C'est vrai que ce n'est pas dans les amphis comme ça qu'on peut prendre des décisions générales. Alors moi, je voudrais donner le bilan de l'UFR 4. Moi, je pensais que lundi dernier, il y aurait un afflux d'étudiants et d'enseignants qui se précipiteraient à la fois pour faire le point sur la mobilisation, voire pour réclamer à corps et à cri une validation, etc. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Dans notre UFR, et je ne prétends pas du tout représenter ce qui se passe dans les autres secteurs, on est ultra minoritaire à venir dans les AG. Hein? Donc, on a fait des cours alternatifs, malheureusement, on s'est retrouvé à 10. Il y a eu des enseignants pour les faire. Il y avait 10 étudiants pour y participer. On a convoqué demain une nouvelle assemblée générale, précisément des enseignants et des administratifs, pour prendre enfin une décision collective pour savoir ce qu'ils ont fait, je termine, pour savoir ce qu'on va faire collectivement et pas simplement une poignée d'enseignants hyper mobilisés, parce qu'il y a des enseignants, contrairement à ce qu'on disait à l'heure, qui sont à l'intérieur de cette mobilisation. Et je pense que ça fait plusieurs dizaines, je n'oserais pas plusieurs centaines, mais plusieurs dizaines d'enseignants. Bon, c'est une petite minorité. Alors, juste pour la suite, moi je pense qu'il faut, c'est une philosophie générale, je n'ai pas les modalités concrètes, on va encore en discuter. Il faut continuer la mobilisation. À la fois pour simplement ne serait-ce que pour dire que le lâchage qu'a fait le gouvernement ne change rien sur la logique de la loi et de ce qui est